Bonjour, Céline pour jeclicnaturel.be, le guide en ligne de la vitalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la vitalité, bien sûr, mais plus concrètement, on va la définir, on va vous expliquer à quoi elle sert et surtout comment la mesurer. Laurence, tu es coach en alimentation saine. Alors voilà, dis-nous, la vitalité, comment tu la définis, toi? Bon, c'est très simple, c'est un stock d'énergie disponible en chacun de nous dès la naissance. Et à quoi elle sert? Ben, elle sert à nous réaliser pleinement dans tous les domaines de notre vie, puisque dans vitalité, il y a le mot vie. D'accord, donc elle est importante, mais du coup, voilà, dans le quotidien, comment ça se concrétise? Ben, dans le quotidien, elle repose sur quatre piliers fondamentaux. Une alimentation saine et naturelle, un sommeil de qualité, du mouvement, une activité physique et la gestion de son stress. C'est bien sûr l'équilibre entre ces quatre piliers qui va nous faire sentir le plus de vitalité. Mmh, d'accord. Et ces quatre piliers sont autant de portes d'entrée disponibles à notre disposition pour prendre soin de cette vitalité. D'accord. Moi, personnellement, j'ai dû intégrer dans mon quotidien certains piliers. Et je dois dire qu'en fait, le plus difficile, c'était quand même changer toutes mes habitudes. Oui, c'est souvent ce qu'on croit le plus difficile, mais finalement, ce n'est pas si compliqué. Changer une habitude, c'est simplement la remplacer par une autre. Mmh. Et donc, quel que soit votre porte d'entrée, quel que soit le pilier que vous voudriez intégrer dans votre quotidien, ça passe par trois étapes fondamentales. Mmh. Prendre conscience de ce qu'on aimerait voir s'améliorer, mettre en place les moyens pour concrétiser dans la matière notre prise de conscience, mmh. et soutenir dans le temps nos changements dans le quotidien. D'accord. Donc, ce sont quatre piliers que l'on intègre pas à pas en trois étapes. Exactement. D'accord. Donc, la vitalité, elle est finalement, elle est naturellement en chacun de nous, mais elle dépend totalement de notre mode de vie. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, selon l'hygiène de vie de chacun, on sentira plus ou moins de vitalité en nous. D'accord. Mais quand on est en pleine vitalité, ça, on le sent, c'est à l'intérieur, ça nous donne une patate de dingue, on a la pêche, c'est fluide, c'est vraiment, waouh, il y a quelque chose, quoi. C'est indéniable. Ouais. Et c'est bien pour ça que ça nous donne envie de la retrouver, de l'entretenir. Mmh. C'est en général un moteur très, très puissant, une fois qu'on a senti même quelques heures, quelques jours, la puissance de cette vitalité. D'accord, ok. Et du coup, voilà, comment on peut mesurer cette vitalité? Comment on peut savoir où on en est, en fait? C'est très simple. En 10 questions, il y a moyen de le savoir. Mm-hmm. On a mis un petit test à votre disposition sur le site internet pour que vous puissiez directement avoir un état des lieux de où vous en êtes par rapport à ce stock d'énergie. Ouais, et vous allez voir, les questions sont très, très simples. Mais alors, rien que de les lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses anodines qui ont une grande signification. Oui, ben, en fait, c'est directement la prise de conscience. Grâce à ce test, mmh. vous prenez conscience de là où vous êtes. Ok. Pour faire le test, c'est très simple. Vous cliquez en haut ou en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous emmener directement au test. Voilà. Nous, on vous retrouve après votre test sur jeclicnaturel.be. Tout simplement.